C'est tout, toujours sur Silent Hill 2, on reprend notre périple dans l'hôpital. C'est parti. Donc, on a ouvert la boîte. On a débloqué cette porte qui nous a donné un jeton pour l'ascenseur qui va nous mener au sous-sol. Normalement. Ah, bah c'était un bouton d'ascenseur. Le moins 1. Allez. Thanks for tuning in. Welcome to another exciting edition of Trick or Treat, where you answer our questions correctly and win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play Trick or Treat? Excellent! Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85. Je crois que c'est la réponse 2. Well, you better hold on. C'était 67. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumber yard and the cemetery. What is the name of that road? One. Bachman Road. 2, Munson Street. 3, Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, ouais, c'est un gamin, je crois, splattered blood. Qui a commis les meurtres. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet. But what was the name of the other victim? Putain. Billy's sister. One, Miriam. Two, Miriam. Et three, Miriam. Julia. Je crois que c'était Myriam, mais je suis pas sûr. C'est pas Julia. If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Ok. What the hell was that? J'espère que ça va pas être un truc de ouf. Donc le nombre de morts, je crois, on l'avait vu ça au début de l'hôpital, c'était 67 morts, je crois. Donc c'était la réponse 2. La question 2, c'était la route pour le cimetière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes. Cimetière, ça c'était... ouais, c'était tout au début, point de vue. Cimetière, lac de Tolka. Ranch, Nathan Avenue. Il n'y avait pas Nathan... Wiltsey Road. Donc il y avait Bachman, Munson, Wiltsey Road. Donc la deuxième question c'est 3. Et la troisième question c'était Miriam, Heather, Julia. Je crois que c'était Miriam. Attends, je vais regarder si on...
Je crois pas qu'on les. C'est comme les morts, c'est de. On n'a pas pu ramasser ces documents, c'est un truc qu'on lit. J-Code, je crois que c'était à Résidence Woodside. Ça c'était pour le pistolet. Southvale. Eh, je me rappelle, le gamin, il disait... C'était les policiers... C'était un rapport de policiers ou je sais pas trop quoi, je me rappelle plus trop. Bon, déjà, c'était pas Julia, sûr et certain. Myriam ou Heather. Je pense plus c'était Myriam. Je suis pas sûr. Myriam. On verra. Myriam, c'est peut-être un piège. Myriam, Heather, Julia. Bref, ouais, on verra ça. Je sais pas c'est quoi le délire. Cafard. Ok, attends, attends. On va aller vérifier ici d'abord. Comme par hasard, y'a rien. T'es là, petit enculé. Ah, la vulgarité, désolé. On va essayer d'économiser les balles, hein. Fusil à pompe. Merci. Ouais.
Allez, toi, c'est fait, toi. Ok. C'est fermé par ici. Donc on est obligé d'aller par là. Quand il y a un générateur, c'est souvent la norme qui va s'éteindre dans les jeux d'horreur. On se prépare. Fermée. Bon, ne paniquons pas. Il y a encore un autre truc, j'en suis sûr. Ils stressent les mecs, hein. Putain, donnez-moi des missions, Boulder. C'est la galère, là. Puis on voit rien ici. Je sens que le générateur, il va s'éteindre, plus de fuel. Donc on va être en galère. Genre de truc où tu dois fuir. Bah allez, on va courir un peu. Prendre son temps avec ces garces. Bon, d'accord, faut y aller.
Anneau en cuivre. James. Mary. Oh. Maria, I thought. Maria, contente de te revoir. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Come on, let's go look. Yes. Ah, bah putain, tu m'avais manqué, Maria. Ça va être tranquille maintenant. Un peu de compagnie. Sans plus rassurer là. Pardon madame. Ouais, quand t'es solo, putain, c'est le stress. Je suis où là? Ok, salle d'examen 2. Ok, ça fait plaisir. What the hell is that? Well, what do you know? Extraordinary. Maria, what are you talking about? I'm trying to keep things light. Just yeah. Ouais, tu gâches tout, James. Ah, c'est la piscine. Ok, ici tout est fermé. Et ben dis donc. Pas d'extérieur non plus. Ils ne doivent pas savoir. Numéro 13.
Ah, c'est là où je me suis fait attaquer. Ok, y'a personne. Ouais, je sais pas c'est quoi ce bruit. Soit c'est un monstre, soit c'est autre chose. Ça s'est fermé. C'est quoi ça? Ah. Pas trop fan de ça. Is that what I think it is? Bah, apparemment, ouais. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Not very cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. Anneau en est un. So, where to now? Come on. I think I know where those rings belong. Okay. Avertissement perturbé. Les patients ne viendront le diagnostic prévu quand ils auront guéri. Mon objectif étant toujours pour tout le personnel, surtout quand leurs symptômes diminueront grâce à un traitement efficace. Ok. Petite sauvegarde, pas pour l'instant. Salle commune. Ok. Super chelou. Je sais pas où est-ce qu'elle est, Maria.
Et ouais, bordel. Et ramène ta fraise là. Oh là là. Heureusement que je suis là. C'est l'ascenseur. Ah, c'est pour les questions. Merde. C'était quoi déjà les questions? Ah, le nombre de morts. 42, 67 et l'autre, c'était quoi? Dans les 80. Je pense que c'était plus 67. Je pense que c'était à la 2. Ouais, ça me dit rien. On avait dit que c'était la 2, je crois que c'était 67, ouais. Ah. Question 2, c'était quoi? Est-ce que je peux faire retour? Ouais. Je vais vérifier quand même. Je me rappelle plus. Alors, la question 2, c'était la route vers le cimetière, je crois. Telles sont les cartes. Wiltshire Road. Ça, c'était la dernière, ça. Il y avait quoi? Il y avait en 1, il y avait... Backman. En 2, il y avait les frères Manson. Mba bidou bidou bidou. Et en 3 c'était Wiltshire Road. Ok. Troisième question. Donc. Ah ouais, ça s'appuie. 2, 3. Et donc on avait dit il y avait Myriam, Heather, Julia. Je pense que c'était Myriam. Mais est-ce que c'est un piège avec Julia? Heather, je pense pas, c'était un truc avec... Et Julia, je m'en serais rappelé. Parce que j'en connais une. Bon bah c'était Myriam. Et on a quoi? Fusil à pompe. Fusil à pompe. Ouh, ça c'est bon ça. C'est tout? C'était ça le trésor? Bon, c'est cool, mais je m'attendais à mieux. Putain. Ok. Bon. Ah, il y a un level 3 en fait. What is that? T'inquiète. James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? T'inquiète.
Attends, est-ce que c'est les bons anneaux? What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just... something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Ces anges qui butent les monstres. Pourquoi elle s'en méfie? C'est peut-être un monstre. C'est fait. Fini la maladie. Ok. Ok, c'est une sauvegarde et une porte. Non. Juste une sauvegarde. Ok, il y a trop de sauvegardes là. C'est chelou cet endroit. Run! Oh, oh. On se casse. Oh, putain, il a l'air de courir vite derrière. Maria, je te suis là. Putain, elle court vite avec des talons. Ouh! Il met la pression, lui. There, an elevator. Come on, hurry! Putain, on retient l'ascenseur, James. Foire de pyramide aide là. Fuck.
Putain, Maria, bordel. Putain, je me souvenais plus qu'elle crevait comme ça. Putain, je vais te buter, Pyramid Head, là. Je suis de nouveau seul, bordel de merde. Il y a absolument rien là ici. Petite sauvegarde. Encore. Cette maladie existe potentiellement chez tous les humains, hommes ou femmes, et si les conditions sont réunies, elle les fait basculer, tel que lui, de l'autre côté. L'autre côté n'est peut-être pas le mot approprié, mais après tout, il n'y a pas de mur entre ici et là-bas. C'est un lieu où réalité et surnaturel se côtoient, un endroit à la fois proche et lointain. Certains ne considèrent même pas ça comme une maladie. Je ne suis pas de cet avis, je suis médecin, pas philosophe ni psychiatre, contrairement au directeur. Mais parfois, je dois me poser la question. Ces inventions ne sont-elles que le fruit de son imagination en ébullition? Pour lui, il n'y a pas d'autre réalité. De plus, il s'y sent bien. La question est la suivante. Pourquoi devons-nous le forcer à intégrer notre propre réalité dans la douleur sous prétexte de le soigner? De l'entrée de l'hôpital. Eh, ça doit être la méchante de l'histoire. Laisse tomber. La petite Laura. Bon. De faire une pause. Medical records. Je continue un peu peut-être. Allez, va. Hello. Ah, même dehors, on est toujours dans l'autre monde. Oh putain. Ok. Ça, on va fouiller un peu. Ouais, c'est une merde. Ah
Elle est cool cet endroit. Ouais, ils sont plusieurs là. Ok. Putain de bordel. Elles sont plutôt balèzes au corps à corps. Hein. Mais faut pas que je gaspille mes missions, bordel. Putain, y'a trop de trucs ici. Putain, la musique encore. On va pas traîner ici longtemps, je pense. Il y a quelqu'un pas loin. Soit c'est un cafard. Je crois qu'il y avait une voiture. Téléphone. Wow, 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 wow. Ouais. Je crois que je t'avais pas vu. Con là. Putain, et la gamine elle se prend dehors, qu'il y a plein de trucs quoi. Ah, ils ont mis des missions juste à côté, les malins. Les petits malinois. C'est le reflet. Y'a que dalle. J'aurais peut-être dû sauvegarder en fait. Putain. T'es où le cafard là? Je t'entends là. Ok, let's go. Putain, normalement elle se brise les vite. Bordel.
Ouais, avec une seule porte. Et là-bas, cet enfoiré. Ok, quand faut y aller. La panique totale ici, Boldel. Putain, même dans la rue, ils sont relous quoi. Putain, je pensais que ça allait m'amener dans le vrai monde, mais que dalle en fait. Putain de porte de merde. Ah, le cul de ce monde. Je suis pas là pour souffrir. Ça me rappelle quelque chose ici. Ah ouais. Ouais. C'est le bar. Oh putain. Une traverse comme ça, pépère. Il y a peut-être un autre. Ah, c'est où? Ah bah là, le voilà. Mato le cafard. Putain, le bâtard. Je l'ai pas vu, lui. Bâtard. Ça c'est cool. La munition, ce qu'on veut. Bon, tout est fermé. Hello. On va essayer de se la faire. Ok, pour l'instant tout va bien. Toi meurs. Les bâtards.
Putain, j'étais bien avec Maria, là. Alors, je sais pas par où elle est passée, la gamine, mais... une sauvegarde, donc c'est safe normalement. T'as le mannequin qui m'a fait B-fly. Ok, on va s'arrêter ici. On va aller se détendre un petit peu avant de continuer. Je vais écouter de la musique et des visuels zen. Mafouz, on est où d'ailleurs? On est ici. On est à South Bay. Bon, on va voir. Hâte de continuer, même. J'ai hâte et j'ai pas hâte en fait. Mais bon, on va continuer quand même. Donc merci de m'avoir suivi. Moi je vous dis à la prochaine, encore une fois. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!